Moi, je suis Christian Thomas. Je suis propriétaire au château de Bollon, à Saint-Dizan-du-Gard, donc dans la région de Cognac. Et je suis donc producteur de Pinot de Charente et de Cognac, bien entendu. Voilà. Et ici, si vous voulez, le titre officiel dont je suis fier, c'est d'être un bouilleur de cru, vendeur direct. C'est-à-dire que nous produisons ce que nous vendons. Des saveurs très particulières, hein, d'agrumes, de miel. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de complexité. Alors, on dit toujours que le mois de juin fait le vin et le mois d'août fait le mou. Vous voyez, le mois de juillet, c'est le début du repos, hein, pour aller vers, évidemment, de la qualité, de la maturité. Le métier de la terre est un métier très attachant, hein, voilà, parce que d'abord, premièrement, il est multiple. Après, c'est un beau métier. Hein, vous vivez à la campagne, ici c'est une très belle province au milieu des vignes. Hein, c'est un métier extraordinaire, évidemment. Notre vieille réserve Rubis est un véritable nectar avec les bons chocolats belges, les pralines. Moi, j'allais à l'époque pour faire la promotion dans la gastronomie, surtout. Hein. Nous avions un superbe client qui était un grand ambassadeur du château, qui était Monsieur Romeyer, qui a été vraiment une institution en Belgique au niveau gastronomique. Hein. Il disposait d'un magnifique restaurant, 3 étoilés Michelin. Il a été un très grand ambassadeur du Pinot des Charentes en général aussi, hein, ouais. Voilà, et de Bollon en particulier. Un immense succès. Il faut dire aussi que les Belges sont réputés en France pour être des bons vivants, des fins gourmets, et on prétendait, et on prétend toujours, qu'ils disposent des meilleures caves. Hein, de très belles caves avec de très bons vins. Voilà, donc ça, ce sont des gens que les vignerons français apprécient beaucoup et sollicitent évidemment, bien sûr. Commencez par le haut, n'hésitez pas à mettre peut-être un petit euro de plus, voilà, mais voilà, et là vous allez avoir un coup de foudre, et là après c'est gagné. Pour les vieilles réserves du château de Bollon, hein, une vieille réserve or, une vieille réserve rubis, ou nos pinots millésimés, hein, nos collections privées, bah, ça me gêne un petit peu. Bon, mais finalement, bah, on vit une autre époque. Hein, les jeunes sont des amoureux des cocktails, ils aiment bien les boissons allongées, etc. Alors, avec notre 5 ans d'âge, voilà, donc j'accepte de vendre mon âme au diable. Non, c'est pas ça. Non, mais pas tout à fait. Non, mais c'est pas mal quand même. La plus excitante, si vous voulez, c'est la période des vendanges. Hein. Lorsqu'on accueille le raisin dans le vendangeoir et que l'on vinifie et que l'on va procéder à l'élaboration du Pinot des Charentes. Hein. Avant de juger le pinot, hein, il y a une grande diversité. C'est un petit peu comme les bières en Belgique. Hein. Vous avez une grande diversité de bières. Hein, et elles peuvent plaire à tout le monde, mais le pinot, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Donc, quelquefois, les gens goûtent un pinot. Il y a tellement de variétés, hein, qu'il faut éviter de juger trop vite.